Ok, donc nous nous retrouvons pour l'épisode 3 de Snobium. Alors juste un truc. Alors c'est clear. Juste parce que ça, pour le record, non quoi. Voilà, simplement. On va laisser la nuit cependant. Et on va... je rêve ou c'est... C'est pas ce que je pense. Non, non, c'est pas ce que je pense. Bah écoutez, on va continuer. Alors, YOLO, je le fais alors que l'épisode 1 est toujours en train de s'encoder. Ce qui fait que ben, ça lag un petit peu. Enfin, ça, y a des rames. Ok, donc on est en train de monter un arc-en-ciel. Et j'en ai rien à foutre de son truc de saut. J'ai horreur des putains de trucs de saut. Ça, qu'on soit bien clair là-dessus. Bon, cela, on va quand même le faire parce que... Voilà pourquoi j'ai horreur des trucs de saut. Ok, puis excusez-moi, j'ai des lags. Ouais, mais là je vais être... Ouais, je vais être gêné. Logique, je suis encore gêné. Ok. Quoi, j'avais pas assez de blocs. D'accord, ça c'était un checkpoint, ok. Bon, ça le truc d'échelle. Les trucs d'échelle, ça peut encore aller. Le command block est mal caché là. Je m'en doutais. C'était le truc d'Union 4. London Thunder. Ok. Ok, donc là on va remonter. C'est bizarre que à l'épisode précédent ils nous ont remis. D'ailleurs, puisqu'ils nous l'ont mis tout à l'heure, on se dit, allez, merde. Voilà, merci, t'es sympa. D'accord, par contre avec leur test sur pack, ça bug un petit peu le... Ok. Voilà, excusez-moi pour cette petite triche, mais voilà, les trucs de saut, ça me gonfle. Spawn point, ok, d'accord. Attends, de quoi? Ouais, oui, c'est un spawn point, donc c'est bon, ça a été... Jump into the Mario pipe. Oh! YOLO. Missy viandé. Donc là on est sur une Lion 4, hein. Je voudrais pas dire mais... Oh, c'est quoi ce dé à coudre? Oh ça on va le faire en légite, hein, quand même.
Hey. Ok. Tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. Ah là là. Ok, d'accord. Eh, c'est la misère, j'ai presque plus de blocs. Je sais quoi ça? Ah ouais, des blocs de charbon. Je sais même pas si ça crame les blocs de charbon. Ok. D'accord, et ça c'était... D'accord, ok. Donc là c'était là où on était coincé au départ et en fait j'avais pas compris pour le saut. Je kiffe les blocs de redstone. Par contre, je vois pas la différence entre leur pack de texture et le pack de texture de base. D'accord. Try and land on the cloud. Alors attendez. Try and land. Bon, on va bien voir ce que ça donne. What the fucking fuck? C'est quoi ça? Ah d'accord. Ah ouais. Ok. Ok, parce que j'ai sauté trop haut. Mais l'idée est là. Punaise. C'est énorme. C'est énorme ça. Ça va me donner des idées de trucs à faire sur le serveur, ça va être épique. Désolé pour les ralentissements de jeu, hein, c'est toujours la même chose, c'est l'encodage de la vidéo derrière qui prend des ressources machines. Je suis où là? Je suis paumé en plus, ouais c'est là-bas. Alors ils ont dit de toute façon... alors oui parce que j'ai pas retraduit mais apparemment ils nous autorisent à flyer jusqu'au début en fait de ce truc là. J'ai eu du mal à traduire, enfin, je suis pas sûr de la traduction exacte hein, mais Thailand, voilà, fly back if you miss, voler en arrière si vous ratez. Donc c'est à dire qu'on doit pouvoir, on doit avoir le droit ici de se mettre en créatif pour essayer ici. Mais bon, enfin de toute façon on fait un peu ce qu'on veut hein. Voilà. Et après, faut attendre que les effets s'arrêtent en fait.
santé. Le speed en plus, je crois que je vais enlever mon fog pour. Enfin mon fog, mon. Ouais, faut savoir que je joue. Comment? Que mon champ de vision, je le mets à 80 pour avoir un maximum de blocs dans ma vision sans que ça fasse trop. Là je l'ai. Ok. Snowbiome complete. Process to Sandbiome. Eh bien écoutez, voilà qui complète notre épisode 3. De toute façon, l'épisode 1 n'a pas fini d'être encodé. Donc vous voyez, j'ai eu le temps d'enregistrer 3 épisodes et le premier n'est toujours pas encodé, hein. Donc eh bien écoutez, ben, on se retrouve à l'épisode 4 pour le biome sable. Voilà.